Alors le tour maintenant, bon, je suis en train de le régler, de le mettre au point. Hein. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est pas terminé le travail. Et là j'ai procédé donc à la création d'une étagère à l'arrière du tour. Je vais zoomer dessus. Voilà, cette étagère qui est une étagère en contreplaqué solide, hein, très très solide, fixée dans la cloison de l'atelier. Elle est emboîtée à l'aide de crochets sur la tôle de le tablier de anti-projection d'huile, hein, qui fixait l'arrière du tour, qui est assez costaud, ce qui fait que maintenant mon tour ne bouge plus. Il est bien fixé. J'ai pas eu besoin d'utiliser des fer plats pour le fixer dans la cloison. Il y a le contenu des étagères là, vous allez voir un mandrin 4 morts qui est un achat récent sur lequel je vais faire d'ailleurs des vidéos sur les matériels que j'ai achetés pour accompagner ce tour récemment. J'ai quand même utilisé le tour pour une petite réalisation qui m'était nécessaire, qui est cette réalisation là, c'est ce gabarit de réglage de hauteur des outils de coupe, de vérification. Plutôt que de procéder à la pointe sèche, j'ai fait ce gabarit, comme j'en avais déjà fait un pour le tour précédent, que j'ai vendu avec le tour puisqu'il ne pouvait pas servir pour celui-ci. J'ai donc créé ça, ça m'a permis de vérifier un petit peu le fonctionnement du tour. Il fonctionne très bien, il n'y a pas de problème à signaler là-dessus. Vous pouvez voir ici sur les manivelles qui permettent d'actionner les chariots, ici celle du chariot supérieur, comme là, ici celle du chariot transversal. Il a deux écrous de réglage qui sont avec, je dirais, avec un ergo, je vois comment ça s'appelle. Il faut que je fabrique une clé, car elles ne sont pas livrées avec. Les clés qui permettent de régler cet ensemble d'écrous, on va dire contre-écrous, qui permet de régler la dureté du vernier. Voilà, donc j'ai pas ces clés. Si je dois effectuer un réglage, je n'ai pas ce qu'il faut. Alors, j'ai regardé sur internet, j'ai pas trouvé de clés correspondantes, ça existe. Hein. En cherchant mieux, j'aurais pu trouver, mais j'ai pris plutôt, comme ça ne me paraît pas être très difficile à fabriquer, je vais me fabriquer ces deux clés. Et le but de cette vidéo, ça va être justement de vous montrer la réalisation des deux clés, puisque c'est un serrage écrou contre écrou, il faut donc deux clés dans le carter. Voilà. Alors cet écrou, ça va être l'exercice que je vais faire dans une prochaine vidéo, la réalisation d'un écrou molleté, parce que ça c'est vraiment pas commode. Hein. Alors je vous montre. Voilà, la broche ici, il va falloir une clé également pour serrer ou desserrer cette j'appelle ça un écrou, hein, qui permet donc de régler le jeu. Il est freiné avec une rondelle spéciale crantée. Voilà, c'est freiné avec cette rondelle, donc il va falloir que je fabrique une clé également pour pouvoir serrer ça. C'est pas vendu avec le tour non plus. Il me faut donc fabriquer ces deux clés. Je relève les dimensions qui vont me permettre donc de calculer ma clé, de la dessiner. Alors, les écrous font 20 mm de diamètre, et je mesure 4 est de 4 mm et la profondeur mm. Je viens de tracer la clé, le schéma de le plan en fait de ma clé.
Et pour cela, j'ai pris modèle sur une clé que j'avais déjà, la clé de réglage de mon amortisseur de pré-contrainte de ressort d'amortisseur de ma moto. Alors évidemment, ça, cette clé est beaucoup plus grosse que celle que je veux faire, mais on retrouve exactement la façon dont je vais procéder. Cet ergot et également cet arc de cercle qui sera de 20 mm dans la clé que je veux fabriquer. La mienne sera effectivement beaucoup plus petite. J'ai tracé un plan sur les côtes que j'ai relevées. J'ai fait une photocopie, ça va me servir pour comme traçage découper l'acier dans lequel je vais faire ces clés. Je dispose d'un fer plat en acier de 2 mm d'épaisseur et qui fera la bonne cote pour faire ma clé. Alors évidemment 2 mm d'épaisseur, c'est pas une très très grosse épaisseur. Si j'avais eu du 3, j'aurais pris du 3, mais bon, franchement ça ira. La résistance de ma clé, la solidité sera suffisante, de mes deux clés sera suffisante. Donc je vais faire dans ces plaques là, dans ce fer, je vais découper, j'ai calculé que 13 cm devraient suffire pour une clé, donc je vais découper deux morceaux de 13 et dans chaque morceau je fabriquerai une clé. Voilà, j'ai coupé mes deux plaques, elles font 13 cm. Bon, je vous montre la réalisation d'une seule clé, je ne vais pas vous montrer la réalisation des deux puisqu'elles sont absolument identiques. Donc je vais en faire une, je vais en filmer une, l'autre sera faite hors caméra. Donc, pour m'éviter le travail fastidieux du traçage, je vais mettre du double face adhésif là-dessus et découper le plan de ma clé et le coller là-dessus. Ça me fera le traçage et ensuite je procéderai par des coups de pointeau successifs pour graver en somme le tracé. Parce que je vais le découper à la disqueuse, ce sera plus rapide. Voilà, le tracé est terminé là-dessus, maintenant je vais pointer tout le tour. Alors je pointe pas sur le tracé, mais en marge du tracé. Pour laisser le temps... Une marge suffisante pour faire une finition à la ligne. Les pointages ont été réalisés. Maintenant, je vais pouvoir découper à la disqueuse approchée des pointeaux et ensuite je finirai à la ligne.
Voilà, je viens donc de faire mes deux clés, de terminer bon, la seconde clé hors caméra, évidemment. On peut voir que bon, elles ne sont pas tout à fait identiques, mais elles ont la même fonction. Hein. Bon, c'est parce que la seconde, je me suis peut-être appliqué davantage, n'ayant pas besoin de tourner et de toucher à la caméra. Bon, donc mes deux clés sont faites, je vais voir si elles fonctionnent. Alors, c'est un serrage écrou contre écrou. Voilà, c'est bon. Serre un petit peu plus là. Et j'approche l'autre clé. Voilà, pour ce qui est des clés, ça fonctionne. Et je vais donc m'attaquer à faire une autre clé pour plus grosse cette fois-ci, et dans du fer plat de 3 mm, parce que ça c'est un peu, pour ces petits écrous ça va, 2 mm, mais bon, 3 mm ça aurait été mieux. Mais bon, elles font leur boulot, elles font le job, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je n'ai pas travaillé pour rien en faisant ces clés, d'autant qu'elles ne vont pas quand même servir tout le temps comme une clé de mandrin, par exemple. Hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées pour, si jamais un jour vous avez besoin de vous fabriquer une clé. Je pense que ça fait également partie de l'usinage. Cette possibilité de fabriquer quelques petits outillages qui sont nécessaires, et c'est pas toujours souhaitable de sortir le carnet de chèques et d'aller acheter, de passer une commande pour deux clés qui valent en tout et pour tout 5 euros pièce, peut-être d'entre 5 et 10 euros, et attendre 48 heures pour une livraison. Ben là, en faisant soi-même sa propre clé, déjà c'est valorisant, ça fait plaisir, c'est un travail qui est agréable. Ici on n'a eu besoin d'aucune machine, à part peut-être le touret à meuler, et encore on peut faire sans. Des bonnes limes, une scie, ça suffit. Voilà, c'est un outillage, un usinage pas cher, et ma foi très utile, puisque avec ça je vais pouvoir régler les montours, hein, puisque ces clés font défaut dans l'outillage fourni avec. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.